utiliser le même principe que Dylan avec justement les panneaux, il pourrait écrire ce qu'on voulait dessus, notamment les textes de la chanson en partie, puis après pouvoir expliquer la situation que je traversais à ce moment-là. C'était très très bon ça. Et c'était super bien, tu vois. Et voilà, donc c'est un type très créatif et qui aujourd'hui démontre un talent inouï dans l'écriture, indépendamment d'avoir des idées, quoi, tu vois. Donc c'est un type assez rare, quoi. C'est une belle collaboration en tout cas. Oui. Et puis, alors avec Jacques, on avait un peu cadré un personnage comme ça, un peu, pas cynique, mais un peu distant, un peu, tu vois, un peu sur l'humour et tout ça, et qui jouait beaucoup sur ses faiblesses. Et là, avec Pierre-Dominique, il est sorti de ce schéma-là, je dirais, et maintenant, on est plus dans l'évocation de choses un peu plus ressenties, quoi. On est plus dans une visée qu'il avait aimé rapporter un peu de chair. J'aime bien cette formule parce que c'est voilà, c'est un peu plus conséquent, quoi, où on livre de plus de choses. Voilà. Et ça me convient bien maintenant. Oui, c'est bien de changer de ton aussi. Oui. Et justement, ça me permet de poser la question suivante, qui est donc cet album s'intitule Symphonique d'Andy. Donc, ça y est, tu assumes, parce que tous mes confrères et tous les journalistes depuis des années, quand on écrit sur toi, c'est le dandy de la chanson française. Enfin, c'est un terme qui revient très souvent. Là, ça y est, c'est. Bah, écoute, puisque ça a été tellement naturel dans la proposition de Valérie, j'allais dire remercier, mais c'est Valérie Chevalier, c'était tout de suite Symphonique d'Andy. Ah oui, tout de suite. Voilà. Elle n'était pas journaliste, elle avait reçu ce message-là et elle l'avait intégré. Et pour elle, c'était tellement spontané et naturel que je me suis dit, bon, alors voilà, allons-y, quoi, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est le contenu. Tu vois, mais c'est vrai que je trouvais que ça pouvait être un petit peu réducteur, quoi, que c'était une manière de pas rentrer dans ce qu'on propose vraiment, mais de rester un peu en surface sur les apparences, sur l'élégance, ça me fait plaisir. Hein, c'est pas. C'est des qualités comment dire, qui font pas tâche, quoi, qui sont plutôt C'est mieux que d'être appelé respectueuses. le chanteur énervant. Le chanteur énervant. Oui, c'est vrai, mais bon, en même temps, voilà, je pense que il faut sortir de ça aussi, il faut essayer d'aller vers une vraie critique de ce qui est proposé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mais votre niveau? généralement, toi, non, je sais, Non, les j'ai gens sont la timides. première fois. Non, puis il y a un truc un peu comme ça plombant, personne n'ose prendre le micro. C'est intimidant, quoi, je sais. Lancez-vous, Personne n'ose on est lancer. entre nous, lancez-vous.